Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos qui est J'ai testé pour vous, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc c'est aujourd'hui une vidéo en partenariat, c'est une première pour moi. J'ai été contactée il y a quelques temps par une distributrice Eatworks. Donc je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, ce sont les fameux patchs qui sont censés vous faire perdre des centimètres et vous lisser la peau, vous affiner le grain de peau, etc. Donc elle m'a proposé de m'en envoyer un gratuitement de façon à ce que je teste et que je vous donne mon avis en vidéo. Donc ce n'est pas parce que c'est un partenariat que je vais vous vanter les mérites de ce produit, etc. Je l'ai testé et je vais vous donner mon avis réel. Donc avant de vous laisser avec la petite vidéo de démonstration de pose du wrap, prise de centimètres, etc. Je vais vous parler un petit peu de ça. Donc ça se présente comme ceci dans un petit emballage plastique. Le wrap, bien entendu, je ne l'ai plus puisque je l'ai utilisé dimanche. Il préconise de le laisser poser minimum 45 minutes. Elle m'a conseillé de le laisser poser 3 heures. C'est ce que j'ai fait. J'ai posé mon wrap. J'ai emballé avec du cellophane. Vous allez voir dans la petite vidéo. J'avais un petit peu l'impression d'emballer le rôti quoi, quand j'ai mis le cellophane tout autour. Hein, sauf que le rôti était un petit peu plus gros, on va dire. C'est pas désagréable, ça chauffe un petit peu, on sent qu'il se passe quelque chose. L'odeur, ça sent les plantes, c'est pas une odeur qui est déplaisante, ça sent les plantes, on dirait que ça sent un petit peu comme le baume du tigre. Ça chauffe un petit peu pareil comme le baume du tigre, donc voilà, maintenant c'est pas, il y en a qui disent que la sensation de chauffe est désagréable. Moi qui me passe souvent du baume du tigre pour des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, etc. J'apparente ça à la même chose. Moi je trouve pas ça désagréable. Voilà. Maintenant, ce qui est moins agréable, effectivement, c'est comme je l'ai posé sur le ventre, parce que c'est là où vraiment j'ai le plus besoin de perdre. Donc j'avais tout le ventre emballé, etc. dans le cellophane pour se bouger. C'était pas super pratique hein, quand tu veux aller pisser, c'est pas non plus l'idéal. Le cellophane a tendance un petit peu à rouler, après c'est des petits détails. Mais voilà, donc je l'ai laissé poser pendant 3 heures, je me suis mis sur le canapé avec l'ordinateur sur les genoux et puis j'ai regardé des séries sur l'ordi. Donc voilà, les enfants n'étaient pas là, donc c'était très bien. Ils disent donc de ne pas faire d'activité physique, ménage ou sport ou autre pendant le temps de pose du wrap qui pourrait vous faire transpirer pour éviter de faire ressortir le produit. Il faut que le produit pénètre au maximum. Et une fois que vous retirez le wrap, il faut récupérer le produit restant sur le wrap et l'étaler sur le ventre et masser jusqu'à pénétration complète de la chose. Donc c'est ce que j'ai fait et avant de vous donner donc mon avis définitif sur ce produit, je vais vous laisser regarder la petite vidéo de démonstration de ma pose, prise de centimètres, etc. Et puis après donc je vous donnerai mon avis final. Voilà.
avez vu donc ma petite vidéo de démonstration. Donc vous avez vu la pose du wrap, vous avez vu le monsieur qui m'aide à enrouler le rôti avec le cellophane. Donc voilà, à prendre les centimètres. Donc je n'avais pas de centimètres avec moi ce jour-là, donc j'ai pris une corde. Et j'ai mesuré avec une corde, enfin avec une ficelle, donc voilà. Donc la personne qui m'a envoyé, qui m'a proposé ce partenariat s'appelle Marlène Roussière. C'est une distributrice Eatwork. Que je vous dise pas de bêtises, je sais pas si elle m'a mis son adresse, non. Je vous mettrai son lien, le lien de sa page en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Elle est extrêmement gentille, elle m'a bien expliqué les choses très clairement. Donc là-dessus, je n'ai rien à redire. Donc, je vais donc vous parler de ce qui vous importe le plus. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors, vous avez peut-être pu voir les photos donc, que je vous ai mises. En ce qui concerne le fait que la peau soit lissée, je n'ai constaté aucune différence. J'ai trouvé que ma peau était la même avant et après l'application. Alors c'est vrai que j'ai pas trop de vergétures, j'ai pas la peau trop fripée, un petit peu sur le bas du ventre, vous avez pu voir. Mais j'ai pas trouvé de différence. Donc là-dessus, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, en ce qui concerne la perte de centimètres. Alors, j'ai pris mes mensurations. Donc, avant la pose du wrap, j'ai pris 3 mesures, comme vous avez pu le voir. La première, je faisais 92 cm de tour de taille. Ensuite, au niveau du nombril, je faisais 93 cm. Et au bas du ventre, 97 cm. Donc, après la pose du wrap, j'avais perdu 2 cm partout. Donc je me suis dit, c'est cool, ça fonctionne. J'étais trop contente. Sauf que faut attendre 72 heures pour voir les résultats final. Voilà. Sur ces 72 heures, il faut boire minimum 1,5 litre à 2 litres dans la journée. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris mes mensurations tous les jours. Donc déjà 24 heures après, j'avais repris mes 2 cm. Voilà, j'avais repris mes 2 cm. Je pense que les 2 cm de perdu après la pose, c'est le fait tout simplement d'avoir comprimé avec le cellophane, le ventre, la peau pendant 3 heures. Et je pense que ça vient de là principalement. Parce que 24 heures après, j'avais repris mes 2 cm. 48 heures après, ça n'avait toujours pas bougé. Et on est donc là à 72 heures de la pose du wrap. Et je bois toujours mes 1,5 litre, même plus. Je suis à plus de 2 litres par jour. Je fais que pisser. Ça, c'est clair et net. Et je n'ai clairement vu aucune différence. Mes mensurations sont revenues au point de départ. Donc voilà, ça n'a absolument pas fonctionné pour moi. Je pense que ces 2 cm de perdu sont réellement dus au fait d'avoir comprimé mon ventre pendant 2 heures avec du cellophane. C'est tout. Pourtant, on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je pense que c'est l'effet d'un mélange d'huiles essentielles. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Alors je vois partout pour tout le monde ça fonctionne, sauf pour moi. Alors soit c'est vraiment une grosse fumisterie, un gros coup de pub comme beaucoup de produits dits miracles, mais en tous les cas, sur la balance, ça n'a pas bougé. Alors ce n'est pas prévu pour perdre du poids, on est d'accord, hein. Vous savez que je fais mon rééquilibrage alimentaire, là je suis sur une phase de stagnation, mais clairement en centimètres, je n'ai rien perdu. Voilà, les 2 cm d'après wrap que j'avais perdu sont revenus, ma peau est revenue en place, ma peau n'est pas plus lisse, mes jeans ne me lâchent pas parce que j'ai pas perdu, voilà. Donc pour moi, ce n'est pas un produit que j'irai acheter, sachant qu'un wrap coûte 30 €. Voilà, clairement, je suis désolée pour toi ma belle qui a voulu me faire tester ce produit, mais ce n'est pas un produit que j'irai acheter. Je suis contente de l'avoir testé gratuitement finalement, puisque ça n'a eu
aucun effet sur moi. Si certaines d'entre vous l'ont testé et ont eu des effets, eh bien écoutez, je dirais tant mieux. Mais moi, clairement, ça n'a pas du tout été le cas. Vraiment, vraiment. Donc, soit je suis une grosse quiche et j'ai pas fait les choses comme il faut. Mais enfin bon, j'ai posé 3 heures, donc je pense qu'il a quand même eu le temps de pénétrer. J'ai bien massé pour que le produit pénètre bien. Donc voilà, donc soit c'est de la fumisterie, soit ben, ça fonctionne pas sur moi. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire d'autre. Pour moi c'est un échec total et je n'irai pas l'acheter, ça c'est clair. Maintenant, ça n'empêche que cette personne m'a proposé de vous en faire gagner un si vous voulez le tester à votre tour et me donner vos retours. Pour que je puisse justement voir si sur d'autres personnes ça fonctionne. Voilà. Donc un concours va être organisé sur la page Facebook en partenariat donc avec cette personne qui vous propose de vous envoyer un wrap gratuitement. Donc dans les prochains jours vous allez avoir ce concours qui va apparaître sur la page Facebook. Ce n'est pas parce que ça a été un échec sur moi que ça le sera forcément sur vous, même si je suis un petit peu sceptique, mais voilà, c'est gratuit, ça vous engage à rien de tester. Moi ça ne m'a engagé à rien, j'ai testé. Comme je vous ai toujours dit, j'avais jamais fait de partenariat jusqu'à présent, mais comme je vous ai toujours dit, je ne perdrai pas mon intégrité pour un produit gratuit. Ça n'a pas fonctionné, je vous le dis, pour moi voilà, pour moi c'est pas un produit miracle, les produits miracles n'existent pas. Je pense que hormis le sport et l'équilibrage alimentaire, il n'y a rien de mieux que ça. Voilà. Donc je vais vous laisser, j'espère que les distributrices Eatwork ne vont pas trop me brûler sur le bûcher, hein. mais voilà, je dis les choses telles qu'elles sont, j'ai toujours été comme ça, sans langue de bois. Si un produit me plaît, il me plaît, s'il ne me plaît pas, s'il fonctionne tant mieux, s'il ne fonctionne pas, je le dis. Là c'est le cas, ça n'a pas fonctionné, donc je vous le dis. J'espère que ça ne vous empêchera pas de participer au concours de façon à vous faire votre propre avis là-dessus. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye !